Tout le monde, c'est Xelu, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau live Dragon Ball U. Et cette fois-ci, c'est un live lecture du chapitre 2 de Dragon Ball Kakumei. Let's go. Alors, avant de commencer, comment est-ce que vous allez? Ça fait longtemps qu'on n'a pas live, ça fait longtemps aussi, j'ai pas fait de vidéo. Parce que, la semaine dernière, le week-end dernier, j'allais poster une vidéo, mais je suis tombé malade, du coup, j'ai pas pu filmer de vidéo ou quoi que ce soit. J'avais la voix ultra cassée, du coup, c'était mort. Voilà, bref, comment vous allez sinon, les amis? 38 likes, let's go, ça fait longtemps. Zelus, tu peux me déban SVP de ton serveur? C'est quoi ton pseudo, H le pro? Peut-être t'es pas ban, hein? Parce que parfois, quand tu spams, le bot, il te... Ah merde, j'ai trop approché le micro. En fait, quand tu spams trop, le bot, il te kick. Et kick, ça veut pas dire ban. Du coup, tu peux encore rejoindre. Suffit juste de... Attends, vu que là, on a perdu les boosts, du coup, on peut plus envoyer de lien avec... Le truc Xelus là, du coup, je suis obligé de... Attends, générer un nouveau lien, expire après... Vas-y, on va mettre expire après 6 heures, générer un nouveau lien. Vas-y, je vous le spam dans le chat, comme ça vous rejoignez le Discord. Let's go, let's go, let's go. Allez, 2 secondes... On va mettre une petite OST comme ça. Ah ouais, mais comme d'habitude. Attends, comme d'habitude, on va voir si la musique elle est trop forte ou pas là. Salut Xelus, content de te revoir. Merci beaucoup Mamadou Traoré. Super content de vous revoir aussi tous là dans le live aujourd'hui, ça fait giga plaisir. Prince Trunks, j'ai un mauvais pressentiment après le chapitre 2, il y aura que de la bagarre, mais de toute façon c'est la fin de fiction. Ah ouais? Bah on va voir ça hein. On va voir ça. Franchement, est-ce qu'il y en a dans le chat qui regarde... Attends, 2 secondes. Ouais, non, excellente la musique, parfait. Oh, parfait, parfait, franchement, parfait. Voilà, bon. Est-ce que dans le chat, il y en a qui lisent le manga Dragon Ball Super? D'ailleurs, n'hésitez pas à partager à mort le live, à liker en masse, comme ça, on est mieux référencé par YouTube, et comme ça, il y a plus de Saiyajin. Salut, c'est DBZ, content de te revoir, BG. Content de te revoir, DBZ, ça fait super plaisir. En fait, aussi, petite précision, c'est pas... Attends, ouais. C'est pas parce que je vous réponds pas en message privé sur Discord que je vous aime pas, pas du tout. C'est juste que si je réponds à une personne ou deux, je suis obligé de répondre à tout le monde. Je peux pas répondre à tout le monde. Enfin, parfois j'essaye, je fais de mon mieux, j'essaye, mais au bout d'un moment, quand c'est bon, j'envoie plus de messages et tout, c'est que ça y est, je suis débordé. Parfois aussi j'ai des trucs à faire, donc je peux pas vraiment répondre tout le temps. Mais qu'est-ce qu'il raconte Enpro dans son sondage? Je sais pas, bref, sinon il y aura Enpro, le modo entre guillemets, bon c'est pas vraiment un modo, mais c'est mieux qu'un modo. On va vous accueillir sur le Discord, c'est grave sympa. Oui, moi, ah ouais, vous êtes plusieurs, hein. Je me rappelle, l'année dernière, quand je faisais la review sur le chapitre de Moro, là, il y avait presque pas beaucoup de monde qui lisait DBS. Là, ça a augmenté, hein. Après, franchement, le chapitre... de septembre, il était incroyable. Mais voilà, le problème avec DBS, c'est qu'ils te mettent un très bon chapitre et après, boum, rebelote, on revient. Ok, donc là, devant mes yeux, j'ai le chapitre 2. Je vous le mets comme ça, on va lire. Mais bon, avant de lire, je vais quand même lire le chat parce que ça fait longtemps, on s'est pas parlé. Merci Xelius, je voulais rejoindre le serveur, mais c'était invalide. Ouais, voilà, c'est justement parce que. On a perdu tous les boosts. Putain, mais c'était incroyable, on avait 38 boosts. Et on a eu de la chance parce que Discord, ils ont changé le système de boost. Maintenant, c'est à 14 boosts que tu peux... Que t'es level 3. Mais même s'ils ont modifié,
n'a pas pu... On n'a pas pu remettre le niveau 2, le niveau 3 plutôt pour repartager le lien avec les élus, partager le lien avec les lettres bizarres là. Vas-y, donc là on est à combien de... On est 2 boosts sur 2. Tout à l'heure il y avait quelqu'un qui a boosté mais il s'est fait kick, ce qui spammait. Ouais voilà, il faut 14 boosts, du coup il nous manque encore 12 boosts. Ça viendra avec le temps. Je te l'avais demandé en live si tu pouvais envoyer le lien, mais tu l'as pas vu. Allez, gâteau. Ouais, je l'ai déjà envoyé au cas où. Hein. Ouais, ok, c'est bon, tu le vois. Merci pour ce live, ça rend l'année scolaire intéressante. Bah, ça me fait plaisir, hein, franchement. En vrai, franchement, je me dis chaque samedi ou chaque vendredi. En vrai, pourquoi pas lancer un live. Genre, même un live lambda, là. Je sais pas, parce que même moi, parfois, je m'ennuie le soir. Bon, hier, je pouvais pas live. Et sinon, il y a aussi... Non, mercredi, je pouvais pas. Voilà, donc vendredi, samedi. Franchement, j'aimerais bien live tous les vendredis, samedi. Ça change des vidéos un peu. Genre en mode là, tu fais tes devoirs et tout. Genre, ça n'a pas le même effet qu'une vidéo. Genre un live et tout, tu passes ton temps. Enfin bref. Mec, c'est difficile, level 50. Ah, mais Proto, il a atteint le level SSJ Blue sur le serveur. Attends, je vais voir son... Il est niveau combien? Mais what? Il est niveau 44. Attends, il est classé... Il est même pas classé premier, c'est ça qui... Il est troisième, il est Super Saiyan Blue déjà. Incroyable, Proto... Proto, c'est le GOAT. Ouais, vas-y, pose, hein, Rengoku. Coucou, Goka, coucou, Camille, coucou, Love Story. Ike, Uzai. Je reste en serre. Bienvenue. C'est quoi... Attends, ok, c'est H le Pro. Bah H le prend peut-être parce que t'as fait de la pub, du coup Npro il t'a ban. C'est quoi ton pseudo Discord? Parce que là dans les bannis j'ai pas H le Pro. Yo Farouk. J'aime les vents. Pourquoi? T'as dit quoi aussi? Tu regardes quoi comme animé ça c'est le générique, il y a Broly versus Gogeta. Non, tranquille, Reska, tranquille, on n'a même pas commencé la lecture, là, je suis en train de parler un peu. Après, on va se lancer... Ah bah, c'est bon, H le Pro, t'as rejoint. J'ai pas Discord, bah tranquille, c'est pas grave, j'en dis. Par contre, j'ai une question, franchement, là, je la pose à chaque live, presque, mais j'ai vraiment envie d'avoir le cœur net dessus. Est-ce que vous préférez, dites-moi dans le chat, hein, vous préférez TikTok ou Insta, si... Genre, si là, je crée Insta, un Insta ou un TikTok Xelius. En mode je fais des stories et tout, je vous parle, je vous dis ce qui se passe. Bah tu vois, vous suivez un peu mon quotidien, un tout petit peu, tu vois. Je vous donne des news et tout. Genre même, par exemple, allez, si j'avais Insta ou TikTok. TikTok, je sais pas trop, parce qu'il n'y a pas les stories, je crois. Mais si j'avais Insta, la semaine dernière, je pouvais vous dire que je pourrais pas faire de vidéo parce que j'étais grave malade et tout. Ça aurait été bien en vrai. Insta, TikTok. TikTok, STP. En vrai, tu sais, TikTok, j'y réfléchis, hein. Mais je crois que je vais faire les deux. TikTok, ça sera juste, je vais poster... je sais pas, des trucs en rapport avec Dragon Ball, avec les animes en général, mais principalement Dragon Ball. T'as commencé les animés à quel âge? À 4 ans. On est à 46 likes, ça fait giga plaisir. L'autre live, on a atteint les 116 likes, je crois, ou 100 likes, je sais même plus. J'ai la mémoire vraiment éclatée. Vous voyez, je suis un peu encore enrhumé, mais c'est qu'un petit pourcentage. Genre, disons, c'est 2%. Ouais, je vais faire les deux. J'ai tuteur aussi, mais tuteur, il y a. Vous êtes pas beaucoup à l'avoir. En plus, tuteur, tu peux pas faire de story et tout. Ouais. Insta. Ok, bien vu. Bon bah de toute façon, dans un prochain live, je vous donnerai le lien du nouvel Insta. Bah TikTok, en vrai j'ai déjà TikTok. Bah pourquoi je le passe pas dès maintenant en vrai? Deux secondes, j'ai déjà un compte TikTok, vas-y je vous partage. Twitch, non, Twitch je trouve c'est encore très tôt pour moi, franchement. Twitch c'est très tôt en mon avis. What, j'ai déjà 11 abonnés sur TikTok, mais j'étais à 2 abos. Et deux. Quel compte j'ai oublié?
Ah, je sais plus. Ouais, bon, bref, de toute façon, je vous passe le TikTok là. Attends. Comme ça là, je sais pas. Mais ça fait longtemps en plus, j'ai pas posté sur TikTok. Ouais, ok, c'est bon, parfait. Du coup, je vous envoie le TikTok. Si vous avez TikTok, abonnez-vous. Voilà. Et l'Insta, ça sera dans un prochain live, voire une prochaine vidéo. Je sais pas, en vrai, j'ai pas encore préparé de la prochaine vidéo. Tu connais Solitaire? Ouais, je connais, mais j'ai pas vu. Salut, tu joues à Roblox? J'y jouais avant, Soleil. Ça me dérangerait pas de jouer à Roblox sur la chaîne gaming, hein, par contre. Par contre, je vous ai dit, la chaîne gaming, je reprends les vidéos dessus quand on atteindra les 300 abonnés. C'est Xelius Gaming, hein, le pseudo. C'est Xelius, mais tu as joué juste le gaming. C'est facile. Dédicace à toi, Samy Shintou. J'attends toujours le quiz pour les 500 membres. Bah oui, bah après, il n'y a pas encore les 500 membres. Hein. Je sais pas, attends, je vais te dire, on est à 420, un truc comme ça. Attends. Je vais te checker. Merde, je peux même pas voir. Attends, si, attends. Déjà ici. Membre. Ouais, on est 419. Activez la cloche, les refs. C'est quoi ta chaîne gaming? Bah, c'est Xelius, mais tu ajoutes juste gaming. J'avais déjà posté des vidéos. Des belles légendes et tout. Bon. Ok. Il reste 12 secondes et on commence. Ok, let's go. Bon, là, on va lire le chapitre de Dragon Ball Kakumei. Alors. Voilà, let's go. On est là. Voilà. Voilà, on met comme ça. Je vous mets en plein écran si vous voulez. Attends, plein écran. Ouais, en plein écran, c'est mieux. Ah merde, attends par contre. Voilà. Et voilà, let's go, chapitre 2 de Dragon Ball Kakumei. En vrai, comme je vous l'ai dit dans le live précédent, c'est toujours bien de lire Dragon Ball Kakumei et Dragon Ball Super. Comme ça, au cas où le chapitre de Dragon Ball Super ne vous plaît pas ou quoi que ce soit, vous avez toujours Dragon Ball Kakumei. Si le chapitre de Kakumei ne vous plaît pas, vous avez toujours Dragon Ball Super. Et bah, c'est encore mieux si les deux chapitres ils sont bons. C'est toujours sympa. Bon, on va mettre une petite OST. Comme ça, on anime un peu le live, quand même. Non, par contre. On va mettre ça. Listen to background music. Let's go. Alors, ça annonce du lourd. Le titre, c'est quoi? C'est Kansei et Kaishi. Je sais pas ce que ça veut dire. Peut-être c'est le nom de deux anges. Ah, vas-y, on va faire une petite théorie avant de commencer. Peut-être que le Daishinkai, il s'appelle Kansei. Et la meuf, genre la mère des anges, c'est Kaishi. Et c'est le contraire. Je sais pas, c'est une théorie banale comme ça. Ou deux anges des univers. Des six univers qui ont été détruits. Qui ont été ressuscités, du coup. Ah ouais, sérieux, ça c'est un? Vas-y, 3, 2, 1, let's go! Mais en vrai, ça me fout le seum, on pouvait lire ce chapitre à sa sortie la semaine dernière, mais vas-y, c'est pas grave. Bon! Attendez, je teste juste un truc, je vais voir si la musique est... Ça va. Franchement, ça va la musique, ça va. Je baisse peut-être un tout petit peu. Non, ça va. Let's go! Quelques minutes plus tôt, planète Beerus. Comment te sens-tu, Goku? Votre combat à Messire Beerus et toi a pris des proportions gargantuesques. Oui, je m'en excuse. J'ai été si obnubilé par la possibilité de vaincre Messire Beerus que je suis peut-être allé trop loin. Bon. Me battre? Tu rêves? La gueule ouverte, jeune mortel inconscient. Je suis plus si jeune, hein. Bon, en vrai, je trouve le Goku ultra sérieux ici. Ou peut-être qu'on est tellement habitué à un Goku... Non, en vrai, tu vois, le Goku ici, s'il a été fait par Toriyama ou Toriyama, il serait en train de rire, tu vois, avec
il met genre sa main, il gratte ses cheveux derrière, genre comme ça. Il dit oui, je m'en excuse, voilà, bref. Bon, lève-toi Goku, il est temps de te soigner. Oh, d'accord, par contre, j'aimerais garder celle-ci si possible. Je l'enlèverai quand je serai capable d'infliger ce genre de blessure à Messire Beerus. Ah ouais? Essaye de me toucher pour voir. Bien. Ok, les dessins sont toujours très beaux. Rien à dire. C'est aussi efficace que les haricots magiques. Ça peut être bien utile en temps de crise. La chanson, c'est des baisers de bidou. Ouais, exactement, Idir. Yo, Idir. Sinon. Ça veut dire quoi, Kakumei? Bah, en vrai, je sais pas. C'est comme Super pour les Super Dragon Ball, mais Kakumei, je sais pas. Ça a sûrement un lien avec l'histoire. Les pouvoirs d'un ange, en somme. Ok, sympa la petite case humour là, comme ça. Des pétales de magnolia, Shin s'est permis quelques libertés à ce que je vois. Ouais, j'aime pas ça du tout. Que comptes-tu faire maintenant, Goku? Eh bien, je ne sais pas trop à vrai dire. Ah, enfin bon, il me reste ce pouvoir à maîtriser. Je ne pense pas qu'il existe un stade au-dessus de l'ultra-instinct, mais pourtant, je n'ai pas réussi à en finir. D'abord avec Jiren, et maintenant avec Messire Beerus. Mais à part ça, je pense retourner auprès de ma femme et mes enfants. Shishi doit être morte d'inquiétude. Sympa, ok, sympa. Ça, c'est un vrai Goku adulte. Au fait, Whis, tu m'as pas dit tu comptes faire quoi, toi? Je vais aller vérifier quelque chose, j'ai un mauvais pressentiment. Ah, ouais, c'est vrai que lui, il a pas assisté à la réunion des anges et tout. Qu'est-ce qui se passe pour que, même toi, tu sois inquiet? Je me sens comme une nouvelle présence. Je sens comme une nouvelle présence, une immense force concentrée en un point qui n'était pas là avant. Auparavant. Oh, j'aime trop ce regard. Merci Love Story, n'hésitez pas à bombarder le compteur de ki là. Et on est à 54 de ki. Ça va. Pour le début du live, ça va. Yoga là. Je trouve ce Goku trop sérieux, plus sérieux que celui de DBZ. Pour l'instant, je peux pas dire grand chose, mais c'est vrai que ce regard de Goku, généralement, on le voit quand il y a un truc. Voilà quoi, genre là, il n'y a pas un gros danger ou quoi que ce soit. Bon. Whis, laisse-moi m'en charger. Enlève ta main. Retire ta main. Ok, là, Whis, il est ultra sérieux. Bon. Ce n'est pas à toi de gérer les problèmes des univers. Comme si c'était la première fois. Bien sûr que c'est mon rôle. Fais-moi confiance. C'est d'accord. Mais je ne pourrai pas t'accompagner, le grand prêtre m'a convoqué. Si tu as besoin de moi, tu n'auras qu'à appuyer sur ce bouton. Thank you, Whis. Merci, Love Story. Tout cela n'est pas très raisonnable, décidément. Je t'en décevrai pas, Whis. Nous y sommes. Ah. Ouais, en vrai, tu sais, Goku, là, il était trop sérieux. Ils auraient dû... Quand tu vois, Goku, il aurait dû le mettre un peu chill. Et là, boum, il y a un truc qui les tracasse. Il change directement de... Oh, stylé. Univers zéro. Ok. Ah, c'est trop beau, par contre. Ah, tu sais, si seulement il y avait quelqu'un qui faisait des colos pour les chapitres de Kakumei, ce serait grave bien, parce que ça, c'est une page... Limite, tu la mets en fond d'écran, t'enlèves la bulle, là. T'enlèves toutes les bulles de texte, tu laisses ça, tu mets en fond d'écran sur ton thème. C'est magnifique. Attends, qu'est-ce que c'est, Whis? Univers zéro. Palais du grand prêtre. Ah, la voilà. Je ne vous ai pas abandonné. Laissez-moi tout vous révéler sur le passé de cet imposteur. Il a provoqué un génocide et s'est cru au niveau du roi Zeno. Assez. Levez-vous. Ah ouais, ça chauffe, hein, chez les anges. Ok, la pression. Père, expliquez-vous. Qui est cette femme aux allures d'ange? C'est bien un ange. D'ailleurs, c'est votre mère. Et elle ne vous ment pas. Elle ne vous ment pas totalement. Ah. Ce 19e univers dont je vous parlais était particulièrement uni et puissant. Il dégageait une force monstre et menaçait l'équilibre établi par le roi Zeno. Il fallait agir vite et sans que le roi n'en prenne conscience. Oh, j'aime trop son regard à la meuf. Agir vite, dilater l'espace-temps est peut-être une action brève pour toi, mais ça n'est pas ce que j'appellerais mourir vite que de ressentir le temps. Écarteler les corps d'innocents par milliards, cela a peut-être duré une seule seconde pour toi, et pour nous il s'agissait de plusieurs dizaines de milliards d'années, cher prêtre. N'ayant pas les pouvoirs des...
n'ayant pas les pouvoirs des rois, je n'ai comme... Attends, le truc est trop petit. Je n'ai, comme je l'ai dit, pas trouvé d'autre alternative. Par contre, Zero Van, en 2016-2017, j'étais avec un groupe de potes, on a fait un petit groupe RP, Dragon Ball, et j'avais eu l'idée de l'univers Zero. Et grosse révélation, non, la révélation je vous la ferai quand il y aura plus d'abonnés, parce que c'est vraiment drôle. Vas-y, entendez-vous cela ? Votre père a trouvé plus judicieux de camoufler son acte barbare que de simplement être honnête avec le roi. Mais n'en voulez pas au grand prêtre. Tout cela n'est ni de sa faute, ni de celle du roi. Oh lui, je l'aime trop, le Hakai Shin, là. Je crois que c'est le... Ouais, voilà, c'est l'univers 12. Que se passe-t-il là-haut ? Eh, je reconnais ses énergies. Waouh, ce que nous blâmons réellement, c'est le système qu'ils ont mis en place et qui a forcé votre père à agir ainsi. Oh... Why, la double page. Oui. Quelle ironie, c'est franchement très drôle. Merci d'avoir calmé la situation, Kansei. Quelle sensation étrange que de revenir en ces lieux. Voilà des visages m'étant plus que familiers. Incroyable la page par contre, incroyable. Ce sont les dieux et les anges des univers détruits. Toujours aussi perspicaces. J'espère qu'on vous a pas trop manqué. Allez, soyez sages et prosternez-vous. Ok, par contre, merci d'avoir calmé la situation, Kansei. Kansei. Eh bien, cela faisait longtemps. Heureux de vous revoir. Incroyable, par contre, la deuxième double page, là. Oh là, les Hakaishin. C'est quoi ton animé préféré? Bah, Dragon Ball. Ça se voit que c'est un ange. Ah mais incroyable. Et dites-moi dans le chat, lequel de ces dieux de la destruction est celui... Why, quoi ? Attends. On va lire déjà ça. Eh bien, cela faisait longtemps. Ange Galian, dieu de la destruction. Quoi ? C'est trop petit. Dieu de la destruction, oui, voilà. Balkan. Univers 13. Heureux de vous revoir. Ange Xerès. Dieu de la destruction, Dromel, univers 14. Ange, Milada. Dieu de la destruction, Willspring. Par contre, question, est-ce que... Normalement, oui, hein, mais... Est-ce que les noms des anges et des Hakaishin, ils suivent le même système que dans Dragon Ball Super, genre... Beerus et Bière et tout, Whis, voilà, c'est des noms d'alcool, quoi, peut-être. Ha, j'ai l'impression d'avoir 100 fois plus dormi que ce satané Beerus. Ok... Remtol maniaque. Pas de blessé, c'est qu'on arrive à temps, la fête n'a même pas encore commencé. Garde ton calme, Oloros. Whis. Oloros, Nisos. Ok, je crois pas parce que les noms ils sont quand même. Surtout Oloros, Nisos, ça fait trop mythologie grecque. Celui à trois yeux. Ouais, t'as vu Proto. Regarde. Oh. Whis, regarde par ici. Oui, j'ai vu. Quoi? Je rêve. Bonsoir, chers confrères. Il me tardait de vous rencontrer. Je tenais particulièrement à remercier Whis en personne. Mais je rêve. Quoi? Freezer est un dieu de la destruction? Ange Twist. Dieu de la destruction, Frieza. Ok, mais ça fait trop bizarre, genre que... Que Freezer est un dieu de la destruction. Oui. C'est trop bizarre. Sous le choc. Je crois comprendre ce que tu prévois à faire. Par contre, tu ressens le truc qu'il est quand même gold, genre qu'il est métallique un peu. C'est trop bien fait. Bon. Ok. Par contre, j'aimerais bien avoir des explications. Hein. Attends, univers 18. Ok. Donc là, théorie, peut-être Freezer a combattu le dieu de la destruction de l'univers 18 et l'a vaincu. Par contre, l'OST qui va avec, elle est incroyable. Elle est trop belle, l'ange. Je savais qu'en te ramenant à la vie, tu ne serais pas resté à rien faire. Mais aller aussi loin... Ne me sous-estime pas, voyons. Ce n'est qu'un avant-goût.
Sur information de Zuno, le commandant de mon armée m'a mis au courant de l'apparition des nouveaux univers. C'est étonnant que le roi ait eu à détruire le 18e univers, tant son dieu de la destruction était misérable. Ouais, voilà, il l'a détruit. Par contre, il était, d'après Twist, en désaccord avec les agissements de son univers. Mais il n'avait visiblement pas l'étoffe d'un révolutionnaire. Ok, donc en gros, il a one shot, je vais péter un plomb. Ah, ok, non. Ah, j'ai cru, il avait one shot avec son doigt, là. Oh, que c'est fâcheux, je vous ai raté. Plaît-il ? Ok, waouh, ok, il a enchaîné. Ça passe mieux avec la gauche, on dirait. Vomis encore un peu. De toute façon, cette tenue est trop serrée pour toi. Il fallait bien que quelqu'un reste régler cela. Son impuissance fut déconcertante. Je me demande comment il est parvenu à devenir une divinité destructrice. Bon, non, peu importe. Tout cela ne te concerne pas. Je ne conçois pas bien l'intérêt d'en être venu jusque-là. Mais enfin, ça ne me concerne pas, tu as raison. Regretterais-tu ma résurrection ? Tu es inconscient, Frieza. Tu n'as aucune idée du bain dans lequel tu trembles. Mais bon, c'est tout à ton honneur de prendre des risques. Par contre, veux-tu bien me dire où se trouve Goku, ça ? Son Goku ? Que vient-il faire dans l'histoire ? Père, j'avais repéré l'univers 0 un peu avant votre convocation. J'ai accepté qu'il y aille, mais j'ai perdu contact et n'utilise pas... Mais j'ai perdu contact et n'utilise pas le bouton que je lui ai confié. Je n'arrive pas à le joindre, ni à distinguer sa présence dans le condensé d'aura que forme l'univers 0. Quoi ? Oh, elle est incroyable ! Ouais, elle est incroyable par contre. Tu parles du mortel qui a débarqué en beuglant comme un âne en plein dans notre QG ? Ne t'en fais pas, nous l'avons accueilli comme il se doit. Pourquoi garder son Goku enfermé ? Il y a des années-lumière de notre niveau, il ne présente aucune menace. Détient-il quelconque information délicate ? Ne fais pas l'ignorant, Kaichi. Tu sais pertinemment dans quel intérêt nous l'utilisons. Incroyable ! Appelez-moi l'oracle. Genre Kaichi et Kaisei. Avant, et je vous jure, j'ai même pas lu le chapitre, je vous jure, j'ai même pas été spoil. Au début du chapitre, j'avais dit, et ceux qui sont encore là... J'avais dit Kaichi Kaisei, c'est le nom du Daishinkai et de la mère des anges. Et j'avais raison! Pouah! Ah, ok, d'accord. Oui, je m'en rappelle. Genre, il y avait l'affiche avec Goku enchaîné comme ça. C'est trop bizarre. D'ailleurs, ça me rappelle pendant le tournoi du pouvoir, après la destruction du 9, Freezer a dit qu'un jour il allait faire agenouiller Zeno. Je m'en rappelle pas de cette scène. Bande de lâches, revenez ici! Qu'est-ce que vous voulez? Je suis désolé, Whis, comme elle est, Whis. Ok, donc là, il est dans l'univers 0, non? Quelles sont vos revendications? L'abolition de la hiérarchie divine, ainsi que la suppression de cette neutralité qui vous obsède tant. Ok. Donc là, en gros, les Hakaishin des univers détruits, ils se rebellent. Je sais pas, Jonas. Père, restez calme. Bah, attendez, je change d'OST là. On va mettre ça. Voilà. C'est cette mentalité qui vous bloque, ne paniquez pas. Et c'est cette hiérarchie qui, lors du tournoi, a supprimé les dieux, mais pas les anges. En ayant connaissance de tout cela, comment peut-on se proclamer guide ? Ça, c'est le Hakaishin de l'univers 14, du coup. Oh, il est badass, celui-là. Fini de jouer, il est temps de faire bouger les choses. Ah oui, mais con. Et que comptez-vous faire ? Que pouvez-vous faire ? Une guerre entre divinités à échelle multiverselle est sur le point de commencer. La révolution débute maintenant. Tout individu immortel ou non devra choisir son camp et il n'en restera qu'un. Battons-nous pour un nouveau monde à l'équilibre parfait. Quoi ? Il a fait quoi là ? Il a fait comme Annie dans SNK là ?
frère, ça va? Ne t'inquiète pas. Que leur avez-vous fait? Je les ai... Ouais, voilà, je les ai gelés dans le temps et l'espace, mais ça n'est pas fini. Nous devrons les téléporter dans le 19e univers et les geler à son tour. Mais père, n'est-ce pas dangereux pour votre santé? Voyons, Cus, ah ok, Cus. Voyons, ne sois pas ridicule. Kukatai, aide-moi, on va réunir les Kaioshin avec Kibiku, ils seront 13, cela devrait suffire. Ok. Je vous salue, cher Kaioshin. Whis vous a résumé la situation. Pensez-vous être capable de nous aider? Cela ne sera pas une mince affaire, mais à nous 13, nous y parviendrons. Allons, cessons les formalités, levez-vous. Bien, continuons. Why? Oh, chichi! Elle est trop belle comme ça! Enfin! Une chichi avec une nouvelle coupe de cheveux. Apparemment, mon café m'a fait rater des trucs. Bienvenue, Dino. Attends, d'ailleurs, Dino... voilà. Attendez, je vais vous aider! Merci! Attends, Jiu Nanago. Non, Jiu Hajigo-san. Jiu Hajigo-san. Attends, Jiu Hajigo-san, c'est 18 ou c'est 17, je sais plus. Jiu Hajigo-san, Jiu Nanago. Ah, je sais plus, je sais plus. Jiu Nanago, ah, je sais plus, je crois Jiu Nanago, c'est 18. Ouais. On a super faim. Chichi, trop belle, chichi, trop belle. Comment on va bien? Je ne sais pas trop. Chichi, ça va? Oui, allons. Goku est juste en retard, tu le connais? Oui, tu as raison. Aïe aïe aïe, Gohan! La ville est détruite derrière? Ah, mais oui, mais c'est à cause du combat à Goku Beerus dans le premier chapitre. Ah, incroyable, ça me rappelle trop la scène Hokage là, quand Minato il met. Sa cape de Hokage, et dans le film Roto Ninja, quand Naruto la met. C'est magnifique. Oh, tu sais, c'est là, attends. Ok, non. Tu sais, quand j'ai vu ça, alors quand Gohan il est sorti, il a mis son truc et tout, et quand il a regardé comme ça, ça m'a rappelé l'opening de Dragon Ball Kai. Quand Gohan, avec la tenue de Piccolo, il était tout en haut, et il regardait le lever du soleil. C'est pareil, j'ai cru qu'il allait faire une ref à ça, mais non, visiblement. Papa n'est pas encore arrivé. Trunks, viens à table, laisse ce chien tranquille. Ouh, ouh. Trunks. Bon, je vois. Passons à ta... Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, j'ai... Oh, trop stylé. Univers 11, planète Zolus. Oh, trop stylé par contre. Ok, Jiren. Oh. Hitpon. Ok, il y a quelque chose qui se passe dans Planet 6, Planet Geno. Ok, bien sûr, comme d'habitude, il assassine tranquillement. De quoi tu parles? Bah, regarde, c'est quoi cette boule? Hein? Bah, aucune idée. What's up, Kale? Il y a une boule dans le ciel. C'est étrange. Enfin bon, on s'en fout. Écoutez-moi tous! Je suis le grand prêtre du multivers et je viens vous apporter les ordres directs de celui que vous appelez. Alors, pourquoi le grand prêtre voudrait nous parler par le biais d'une boule géante? Kami, je m'adresse à toutes les formes de vie présentes de ce monde. Attends, je m'adresse à toutes les formes de vie présentes de ce monde. Y a une erreur là. Il y a un problème du dialogue. Je m'adresse à toutes les formes de vie présentes de ce monde. Présente dans ce monde. Un ange maléfique s'est rebellé contre moi et je l'ai figé pour une durée de 2 ans. Oh, ok, 2 ans. Figé? Une guerre entre univers débutera une fois ce délai dépassé. Chaque individu devra se tenir prêt et choisir son camp. Piccolo, que cela signifie-t-il? Oh, bordel. Jiren, toi aussi t'as vu ça? Oui. Oula, oula, oula. Eh, vous avez entendu? T'es pas avec papa? Non, il n'est pas déjà sur Terre. À suivre. Ah ok, c'est déjà la fin. Ok. Bon, j'ai trop de questions là. On va lire ça d'abord.
Ici l'équipe Dragon Ball Kakumei. Et voilà, le deuxième chapitre est déjà sorti et le temps passe très vite, c'est impressionnant. En tout cas, sachez que nous vous sommes extrêmement reconnaissants quant à votre accueil du chapitre 1. C'est vrai que c'était un banger. Merci à tous, jamais nous n'aurions pu imaginer une telle audience en un mois. 10 millions de lectures, c'est plus que motivant. Nous remercions également les vidéastes francophones, anglophones et autres qui ont contribué à la visibilité de notre projet. Nous n'avons aucunement la prétention d'être meilleurs que le vent original et avons seulement pour ambition de donner une suite alternative au film Broly sorti dans nos salles, en utilisant un élément du scénario qui s'est avéré complètement exploitable, en espérant que ce deuxième chapitre vous aura plu au moins tout autant que le premier. Et nous vous retrouvons le 25 octobre pour le chapitre 3. Et le 25, je crois, j'ai mes vacances qui commencent. Du coup, c'est super. Restez à l'écoute, l'équipe Dragon Ball Kakumei. Voilà. Lecture du chapitre 2 terminée. J'ai trop de questions par contre, et là, on va se les poser, on va en parler. Alors... déjà de... ouais, voilà. Alors, pourquoi les êtres divins veulent faire une guerre alors que Zeno peut les effacer comme avant? Je sais pas, c'est trop facile, mais c'est logique. Peut-être que Zeno ne doit pas le savoir. Prince Trunks, car le grand prêtre ne veut pas informer Zeno. Cette réunion est secrète. T'as raison, t'en fais pas. Nah, c'est pas une excuse. Nah, c'est très très bon chapitre. Ok. Du coup, on va en parler. Bon, on va changer de OST là. On va mettre un truc... je crois que c'est là. Non. Attends, on va mettre un truc... Non, pas ça. Deux secondes, s'il vous plaît. Ok. On va laisser ça. Bon. Goku, Gogeta fusion entre Goku et... Bon. Alors, j'ai trop de questions. En fait... le chapitre, il y a beaucoup d'informations comparé au premier qui était Free Fight. Ok, ouais. Ok, on va en parler, on va en parler. Bon. En vrai, là, c'est le chapitre 2, en fait, c'est, disons, c'est le chapitre où ça y est, Goku... En gros, tu vois, le chapitre 2, c'est le chapitre où on nous a donné l'excuse du pourquoi Goku, ça y est... il n'est plus là et comment on va faire pour faire briller les autres. Voilà, c'est exactement ça en fait. Mais le problème, c'est que... après, c'est pour moi, hein, ça c'est mon avis personnel. J'aurais aimé voir un Goku souriant au moins une dernière fois avant qu'il nous quitte. Genre, parce que là, il était trop sérieux. Après, comme je vous dis, c'est... voilà, il était trop sérieux. Ok, donc Goku, là, univers 0... et là, ok. C'est bien, non, je dois... okay. Par contre, ouais, ma question c'est pourquoi il y a le Daishinkai, le grand prêtre, et il y a sa femme. Sa femme, en fait, elle s'occupe de quoi? Elle s'occupe de l'univers 0 ou... j'ai pas compris. Si c'est elle, la mère, j'ai trop de questions. Hein. Ça sera forcément... on aura forcément les réponses dans les prochains chapitres. Mais... si c'est elle, la mère des anges. Voilà, c'est bizarre en fait, c'est bizarre. Pourquoi la mère des anges, en fait, elle a été supprimée avec les 6 autres univers? Et genre là, ils veulent faire une sorte de coup d'état pour supprimer la hiérarchie actuelle. Genre, il y a Zeno tout en haut, ensuite il y a le Daishinkai, ensuite il y a les anges et les Hakaishin. Yo, je fonce, bienvenue à toi. Voilà, du coup, première question. Pourquoi il y a père et mère des anges? Genre, c'est quoi le rôle à la mère, du coup? C'est quoi son rôle? C'était quoi son rôle, vu qu'elle a été supprimée? Mais avant, c'était quoi son rôle? Et pourquoi elle a été supprimée avec les autres? Je sais pas. En tout cas, elle a dit, ouais, le Daishinkai, c'est un imposteur et tout. Enfin, bon, le Daishinkai, il a peut-être... il a sûrement joué sur ça, mais ouais. Par contre là, genre en gros, elle va former une elle va former son équipe à elle. Il y a 6 univers. Donc là, 6 contre 12. Elle est consciente qu'ils sont ils ont pas l'avantage à part s'ils sont vraiment très puissants. Hein. Et j'ai pas encore très compris le délire de l'univers. Ouais, bon, après ils ont Freezer. Ils ont Freezer quand même, ils ont Freezer. Bon, ouais, aussi Freezer. Attends.
Attends. Ouais, voilà, il a dit... Attends. Il était... Sur l'information de Zeno, les commandants de mon armée... Ah, voilà. Sur information, les commandants de mon armée m'ont mis au courant de l'apparition de Zeno. C'est étonnant que le roi ait avec moi. Attends, par contre... Non, par contre... Ouais, aussi, il y a une petite incohérence, disons. Genre, là, que fout l'armée de Freezer genre, déjà, de 1, comment l'armée de Freezer est au courant que les autres univers sont apparus? Parce que Freezer sait que les autres univers ont été ressuscités par C-17. Du coup, pourquoi est-ce que Freezer va chercher à dire que, genre, son armée l'a informé que les nouveaux univers là sont là, alors qu'il sait très bien qu'ils ont été ressuscités? Du coup, ce qui devait être fait, c'est que Freezer aille lui-même de je ne sais pas quelle manière, je sais pas, faire, je sais pas, un avion avec les autres de la destruction, les films, des glingues. Et pourquoi, ouais, voilà, pourquoi, genre, attends, sur information de Zuno, les commandants de mon armée m'ont mis au courant de l'apparition de Zuno. Je sais pas, mais genre, que font les... Je sais pas, j'ai trop de questions là-bas. Ouais, aussi, c'est quoi l'intérêt de Freezer d'être un dieu de la destruction alors qu'il vit sa vie tranquillement en détruisant des planètes, en vendant... Enfin bon, il détruit pas des planètes, mais il les détruit quand il le veut, genre quand il y a un danger potentiel, genre comme avec la planète Saiyan. Mais lui, principalement, il fait du commerce de planètes. Alors lui, c'est surtout l'argent, surtout ce qu'il gagne en termes de matériel, en termes de biens. Il s'en fout, genre. Après, Freezer, c'est le genre de personne qui cherche toujours... Bonsoir, mes chers amis. Golden. Non, c'est le dieu de la destruction du 13... Non, du 18. Du 18e niveau. Regarde, ouais, il est du 18e niveau. Par contre, j'ai cru que c'était couleur ou un truc comme ça, hein, au début, parce que les jambes, elles étaient bien grosses, ça me rappelait couleur pour le final. Non, là, c'est juste des questions à chaud, hein. Il y a sûrement une réponse à ça, mais... Genre, Freezer, pourquoi il cherche à devenir un dieu de la destruction, en fait? Surtout que lui, il est là que pour faire du commerce, des planètes et tout, des trucs. Bah peut-être, bon, aussi, peut-être parce que, genre, je sais pas, il se dit, ouais, c'est mieux d'être un dieu de la destruction, comme ça, personne vient me casser la tête. Après, bon, il est quand même soumis. Mais oui, mais il est quand même soumis au Kaioshin de son univers, du coup, là, du coup, il est désavantagé, mais c'est débile de sa part. Alors que, je sais pas, tu vois, Freezer, là, il est plus avantagé s'il part chercher les super Dragon Ball et il fait le vœu de devenir immortel. Donc si je sais, ça va péter le scénario en 3, mais on s'en fout. Mais c'est juste une autre solution pour Freezer, hein. Si là, on se dit que Freezer, il cherche vraiment son avantage à lui, Freezer est plus avantagé quand il va chercher les super Dragon Ball et dire à Super Shenron de le rendre immortel que de devenir un dieu de la destruction et dépendre du Kaioshin de son univers. Parce que là, si son Kaioshin meurt, bah il meurt. C'est con. Ouais, voilà. Ah bah après, tu sais, Prince, c'est comme tu me dis, un président, il est là pour protéger son pays. Si c'était le cas, ça aurait été la belle vie pour tous les pays du monde, hein. Il y a toujours quelqu'un de corrompu parmi la masse. Du coup là, vas-y, tu me dis, ouais, le rôle de Freezer, normalement, c'est de protéger, de mettre l'équilibre, mais disons que c'est un Hakaishin corrompu, et il est là que pour son bien à lui, quoi. Il continue son commerce de planète, etc.
agrandir son armée aussi, mais oui. C'est quand même bizarre. Hein. Comme je vous l'ai dit, Freezer, il est beaucoup plus avantagé. Si il cherche les Super Dragon Ball, il fait le vœu de devenir immortel, boum, ça y est. C'est le plus puissant de l'univers, à part ses sphères Akai, bien sûr. Mais quand même, il est dans une meilleure situation que quand il est Hakai-Shin, parce que Hakai-Shin, tu pars chercher son Kaioshin, tu le tues, Freezer, il meurt, ça y est. Du coup, bon. Là, problème avec Freezer. Ok. Ouais, c'est chaud, mais quand même. Et puis, ouais, comment Freezer, il a pu voyager à travers les univers aussi. Il dit, passez une très bonne soirée, une très bonne nuit pour ceux qui ont un décalage horaire, qui doivent dormir et tout. Qui vont peut-être regarder le live aussi plus tard. Bref, ça dépend du moment où vous regardez cette rediff. Passez une très bonne soirée, une très bonne nuit, très bonne journée aussi. Moi, je vous dis, activez la cloche pour les notifications, pour ne rien rater les Saiyans. Rejoignez le Discord, abonnez-vous au TikTok. Prochain live, normalement, j'ai l'Insta que je vais vous partager. Du coup, voilà. Bref, bye tout le monde. Ciao. Na. Attends. Because I've seen the world, I've seen the world, I've seen the world, I've seen the world, Oh, 開くのは